est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Louez-le, alléluia. Oui, Dieu, alléluia. Oui, c'est par ces cantiques que je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est bon de louer Dieu, il est bon d'adorer Dieu, il est bon de servir Dieu. C'est un privilège d'avoir Dieu dans sa vie parce que la parole de Dieu déclare que heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Si vous avez un pays qui aime Dieu, les choses marchent parce que le Seigneur contrôle tout. Le Seigneur ouvre des portes de bénédiction. Que le Seigneur ouvre les portes de bénédiction pour chacun de vous, pour vos foyers, pour votre activité tout au long de cette semaine, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, nous allons toujours continuer comme la semaine passée, nous avons parlé sur la santé divine, la santé de Dieu. Dieu guérit, Dieu est un guérisseur, c'est un docteur par excellence, donc il est capable de nous apporter encore la guérison. Il y a beaucoup de bienfaits, de guérisons à obtenir dans l'hôpital spirituel de Dieu. Il a prouvé toutes sortes de gelures de guérison pour vous permettre de jouir de la guérison divine et la bonne santé. Il nous a donné beaucoup d'opportunités pour recevoir sa santé, pour recevoir sa guérison. Parce que par les maîtrises de Jésus, nous avons accès à la guérison divine. Par les maîtrises de Dieu, par la puissance de Dieu, par le nom de Christ Jésus, le sang de Jésus assure la sécurité et nous donne une bonne santé. Alors aujourd'hui, nous devons prier pour attaquer la maladie depuis sa racine. Beaucoup souffrent dans le corps, beaucoup dépensent de l'argent, hein, presque tout leur salaire va au niveau de la maladie, de la santé, tous les jours. Les organismes sortent tous les jours, les sociétés sortent tous les jours pour parler de maladie, parler de santé, par-ci, ne mangez plus ceci, ne mangez plus cela, vous devez vous faire ceci, vous devez faire. Il y a beaucoup de prescriptions. Mais je voudrais vous rassurer et vous dire que Jésus, le sang de Jésus est encore puissant et encore a la capacité encore de vous apporter la guérison. Vous devez croire, vous devez accepter la guérison divine et le Seigneur fera de grandes choses. Donc, le sang de Jésus, nous allons réclamer le sang de Jésus pour vaincre toute forme d'infirmité, de maladie au nom de Jésus. Je prie en ce moment pour quelqu'un qui est malade au nom de Jésus, que ton esprit d'infirmité soit neutralisé par le sang de l'agneau. Le sang de Jésus a déjà pourvu à ta guérison. Le sang de Jésus a déjà pourvu à ta bonne santé. Dans le nom de Jésus-Christ, toi qui es malade depuis des mois, depuis des années, tu es couché. Un jour, il y avait une femme qui souffrait de la perte du sang depuis 12 ans. Mais le jour qu'elle a rencontré Jésus, elle a reçu la guérison. Elle a reçu la guérison. Oui, le Seigneur te guérit maintenant. Je prie pour toi en ce moment que la puissance qui a guéri cette femme dans ce jour-là, oui, entre en toi et apporte la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y avait un homme aussi qui souffrait depuis 38 ans. Oui, il souffrait, il était malade. Mais un jour, il a rencontré Christ et le Seigneur l'a dit, lève-toi et marche. Et s'est levé, il a été guéri. Alors, toi, je ne sais pas depuis combien d'années tu es malade, tu souffres dans ton corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur te dit la même chose en ce moment, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et sors de ton lit de maladie. Lève-toi et quitte ta place de maladie. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la bonne santé, reçois la guérison dans ton corps. Je proclame la santé divine dans ton corps, toutes les parties de ton corps qui ont été mal, qui ont été atteintes déjà, qui sont malades déjà. Peut-être c'est l'hépatite, peut-être c'est un mot de foie, peut-être c'est le mot de cœur.
Peut-être que c'est la tension artérielle. C'est peut-être que c'est diabète. Tu ne comprends pas. Tu es toujours malade. Tu es souffrant. Au nom de Jésus, je déclare la guérison, la bonne santé par le maître Jésus de Jésus. Reçois la guérison maintenant. Toutes les maladies qui sont rentrées dans ton corps, dans ton sommeil, parce que tu rêvais, on t'a donné à manger et depuis ce temps tu es malade. Je proclame la guérison sur ton corps par le sang de Jésus de Nazareth. Je réclame le sang de Jésus pour détruire les microbes, les infections, toutes sortes de maladies cachées dans ton sang, cachées dans tes germes, cachées dans tes cellules, au nom de Jésus. Et je déclare que tes cellules soient fortifiées, soient renouvelées par le sang de Jésus. Seigneur, merci parce que tu as déjà touché la vie de nos bien-aimés qui nous suivent présentement. Et cette semaine, c'est la semaine de la guérison, la semaine de la restauration. Oui, guérir. Il faut que quelqu'un soit en bonne santé pour pouvoir travailler. Alors maintenant, bénis éternel Dieu la santé de chaque personne d'honneur qui nous écoute présentement. Que la santé soit le partage, que la guérison soit le partage, que les activités prospèrent et puissent avancer. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. N'oubliez pas de nous faire signe. Et nous sommes là. On m'appelle le pasteur Eteka Emmanuel. Je suis en service à Porto Novo, à l'église des Assemblées de Dieu, Temple Ebenezer de Zébé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis au 97, 92, 18, 17. Vous pouvez aussi appeler le 90 73 37 37. Danu bonu edo vivio adjokanu e danaleo ewe enosi e kaleli do sejio enoledo vivivu enewe zombo donc pas vous elole ye koye de le ple bonoli ayuma ya lelekun dote ayo timati ko do takinpo bo adjokanu enele bikuyo ye nomblo do sonu sonu ebe gando kende bua enewe zombo akisino ye tonle ye no fowe biwenu bonolo gbepanu ye we do azomime ewa we ye dewu e o lelekun ko do ayo po eno sarufi don eno yan ganji o zo bo yan aho eno yan nu mi wo mi ale je pepe bra je fifre bra je liliji mi nu mi ho eno yan bo na le do won ganji o eyan o zo bo mi do ko c'est un grand travail qui se fait là et si à la maison toi même tu auras ce temps là ça te prend assez de temps mais lorsque tu achètes en même temps arriver à la maison. En un coup, tu peux réduire le temps de cuisson et être rapide, quoi. Donc c'est tout ça, parce qu'on n'a pas le temps d'acheter, d'aller éplucher avant de l'écraser. Les trucs qui sont vraiment importants pour la cuisine africaine quand même. Donc moi, j'aime beaucoup prendre ça parce que ça me facilite la cuisine. Je suis venue au marché. Souvent, je viens acheter chez lui les épices, de l'ail comme du gingembre et puis des choses... du poivre, donc c'est déjà écrasé, c'est bien frais et c'est bien fait. Azo elo eyin sunu zo a amo eye oku ton wa yin bo edu elewa zo bo edon gbe ton le de wu bo e fun boro azo elewa wa e bi wenu azo elo de mi no wa mama mi ton eno blo koko bojo a lo donu mi ere su lo a yo me bono blo bojo a lo donu mi donc mi no blo ka sin pe vi donc mi lo passionné e dilo mi bo mi lo mo Miro mina blo Ajokanu elole eye libo libo na e einu mbo eko bo zagbedo ko bo e votanda mewe yin a mireo mina kho bona zan pede bo epo mina lewa zan wede vonu tanda me dole mire mina blo gben bona khe eyin ajokanu elole bo enanu ayinu minu asan gege o mino le lorun me enu epo yen ton do yen gon enu epo ro yen gon yen lo se da yin ti no wea don do fli go a no do je mi pa mi po bo no blo ro fine gba no fine bo no che kan pere pere de n ko dio e po no ho glass bo no ru de e no no fi fa mi on ti no wa e si lo se me lo ko ti no wa pour la conservation il y a pas de problème il suffit juste d'ajouter un peu d'huile et vous pouvez aussi conserver maintenant ceux qui ont des frigos vous pouvez aussi utiliser le frigo pour conserver vos produits néanmoins moi je trouve ça j'apprécie quand même c'est bon pour l'assaisonnement des viandes, du poisson et même du fromage, c'est hyper bon. Pour les sauces aussi, ça marche aussi. Je suis satisfait 100% parce que ça ne se gâte pas un,
c'est conservable durant un moment, donc ça peut aller. Donc, et il nous pouvait au caca de la roche, j'ai un beau sang pour à mon diable et des moments, c'est mis payé des jours et là au final, tout le corps des ans et non rien bon. Azo de de bo ouvera de me a amoji e mi de do mi de we e wa zo mi fo tegbe buru nu ko ye concernant les difficultés c'est énorme parce que ko de na ba ali le ba da nu asidam lo po nu me de lu agbo me de pe yo me de vonu agbo ko me de me vonu comme ça on essaie de gérer comme me de ali le bon mi mo de que agbonton yi wo yo e mo agbo ki ko mi on de ya ko le. Bon, mais vous ne voulez pas. Donc, on est une équipe, soit si vous avez des difficultés de la cabane, comme je dis. Donc, c'est comme ça, nous, on est rapide. Voilà, on est express. Ana drodo mi jere yon tokpa gahosa ewe ana yin wi wato mo jende bo areo ana leno zo bona yolo mi bo a jokanu elole o mi ke mi na sedoi nu ajamo mi lo tokpa o aso n trele bo wa tokpa sofla do to o ana bia ki ho me me ko ngbe gbo seji lo apon mi o me to yo amo mi lo fine chuba yi kare fu nkon kon ton amo mi lo fine e kai no ka terapi don agbesion aje pave otoro Chérico, habissé des pays assez bon, mais on a bien qui roule, on a un tour de bossodi. Avec un bossodi, on a un moment, mais il y a beaucoup de bois. Mais il y a un cambio, il y a des sons, les canons, les adios, et un tiré nommé. Donc il y a un bois, un souffle de tout, un bossodi. Tu vois, un bossodi, on a un moment. Je suis un bail. Alors, quand je suis un bail, je suis un bail. Je suis un bail. Numéro 96 25 41 81 dit. Abi 61 45 45 25 dit le mon mais wa ko bu ko no je mo na mon ni bo mi to le di bona yo lo e li e no e pisso saveur